ce que Alain Juppé a essayé de faire depuis plus de 2 ans, c'est d'aller à la rencontre des Français, de bâtir un projet fait de conviction. Il porte ce projet. Ensuite, honnêtement, je crois que personne ne sait ce qui va réellement se passer dimanche. Qui va aller voter? Combien de personnes vont aller voter? Comment vont se répartir ces votes? Tout ça est finalement assez flou. Donc, je crois qu'on n'a pas beaucoup à commenter des choses qui sont aussi peu claires, in fine. Je crois que ce qui est important, c'est que Alain Juppé a souhaité porter un projet qu'on comprend être son projet pour la présidence de la République. Il n'est pas dans la volonté de séduire et de se dire je fais du billard à trois bandes, un projet pour le premier tour des primaires, voire un projet un peu amendé pour le deuxième, puis un projet encore différent pour le premier tour de la présidentielle. Il a souhaité se présenter devant les électeurs avec ses convictions, avec ce à quoi il croit et surtout ce qu'il pense réaliste pour le mettre en œuvre et pour le délivrer, et il n'y aura pas d'évolution. Ensuite, les électeurs choisiront entre les différents candidats.